Tu peux nous expliquer ce qui se passe là? Je vois road closed. En road close, donc il y a des travaux. Donc ce matin, on est le dimanche 13 mars. Donc départ de l'étape, on s'est arrêté hier là. Donc je vais continuer sur 50 mètres là, tourner à gauche puisqu'on a trouvé une petite issue qui rejoint une route qui va être notre bonne route. Mais aujourd'hui, on va se faire de la US27. Et l'US27, c'est du trafic. Mais c'est assez confortable finalement parce qu'il y a souvent des pistes cyclables, il y a de quoi courir. Alors sur les petites routes, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Puis aujourd'hui, on a changé d'heure, donc on a avancé nos montres d'une heure. Donc on a dormi une heure de moins. Mais il fait extrêmement bon ce matin. Donc voilà. Et puis je suis avec ma chérie là. Et on va commencer à courir. Comment Ciao. tu te sens physiquement? Comment je me sens physiquement? Je me sens bien. J'ai eu avant-hier un petit tiraillement au niveau du pubis, mais dès que c'est un peu vallonné, c'est normal. Ça semble se dissiper. Physiquement, musculairement, je suis vachement bien, quoi. Je suis pas. L'estomac, comment il se comporte avec la chaleur et l'effort physique? Alors, je finis ma phrase. Physiquement, je me sens bien. Musculairement, je me sens bien. Pour tout ce qui est tube digestif, eh ben, ça se passe bien. Le transit va bien. C'est deux fois, trois fois par jour à peu près. Voilà. Alors, par contre, c'est vrai que c'est plus sérieusement. D'habitude, quand j'étais en Europe, j'urinais, allez, tous les 5 km, mais vraiment uriner. Et là, finalement, j'urine beaucoup moins parce que je transpire beaucoup plus. Donc, voilà, ça se régule par la transpiration. Voilà. Ciao, ciao. Bonne journée.